Ok, yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Puisque pour ceux qui ont un peu suivi les gars, on avait fait une vidéo avec Doc et le Bouzeux. On avait fait une vidéo qui de nous trois. Et dans cette vidéo, Attends, monteur, tu peux mettre un extrait s'il te plaît? Oui, ça c'est forcément. Faut le dire, faut le demander, voilà, oui, bah oui. Qui de vous trois est capable de manger le plus de burgers? En gros le plus gros mangeur quoi. Ouais, je pense que c'est entre nous deux, mais... Au pire, cette question-là, vous y répondez en vidéo. J'avoue, on y répondra en vidéo, wesh. Et du coup, dans cette vidéo, on voulait savoir qui de nous trois était le plus gros mangeur. Et ça joue entre moi et Doc, tu vois. Mais franchement, on savait pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au McDo, commander un max de cheeseburger, je pense. Voilà, qui est capable de manger le plus de burgers. Voilà. Donc on va prendre des petits burgers, tu vois. C'est ça. Tu penses en manger combien, toi? En vrai, les cheeseburgers, c'est petit, mais je pense que, ça va vite, ouais. Ouais, je pense. Je pense que je peux en manger 8. 8? Putain, moi j'aurais 17, on va faire ça. Ah ouais? Vas-y, bah, on va tenter. S'il faut 10. On en prend 20 au pire. On prend 20 cheese pour être sûr et on se fait une alade fou de. Non, même pas, on va faire une balouse là. On va faire une balouse en fait là. Vas-y. Bah allez, let's go, on est au Domac. 20 cheese. On est au Domac là? McDo. Entrée McDrive. Tiens. 20 cheese et 2 grands coca. 20 cheese, 2 grands coca et... Bon après t'as de l'eau chez toi donc ouais. Attends, je veux savoir la gueule du mec quand tu lui dis ça. Bah là la gueule tu la verras pas mais... Ouais, entends. McDonald's, bonjour. Il y aura 2 grands coca s'il vous plaît. 2 grands coca, ensuite. Et il y aura 20 cheeseburgers. Et un cheeseburger? 20. Comment? 20. Je vous entends pas. 20 cheeseburgers avec. 20? Ouais. Ça vous fera 47,80€. Merci. 50 euros. Ah ouais, c'est 2 balles le cheese, je crois. Mec, à la galère, gros. Ouais. Attendez, je vous entends pas bien là. Je suis pas sûr. Vas-y, attends, je vais payer. Ah, j'avoue, c'est ta vidéo en plus. Tu veux pas montrer les numéros de ta carte? Bah non, quand même. On va éviter. Est-ce qu'on peut? Vas-y, prends la carte. Nickel. Regarde le ticket. C'est écrit 20 cheese sur le ticket. C'est con, j'aurais bien aimé qu'ils appellent un cheese. Et tu sais que le ticket il fasse 10 mètres. Ça, on peut c'est écrit 26, 42 euros. On a pas intérêt à gaspiller, gros. Non, bah de toute manière, si en vrai ça sera micro-ondes et on en mangera au petit-déj, on en mangera ce soir. Ah ouais, au petit-déj quoi. What the fuck. Ouais, c'est pas là pour ça. C'est pas arrivé là par hasard. C'est pas, ouais, c'est pas là pour rien. Alors attends, gros. Est-ce qu'on pourrait avoir une image d'un coquelicot juste ici? Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie de voir un coquelicot dans la vidéo. Pense au mec qui est là. Pain, steak, fromage. Pain, steak, fromage. Pain. De temps en temps, il fait un tir. Hop, pain, steak, fromage. Là il dit ça pour pas que je mange. C'est bien joué. Je vais pas vous mentir là, j'ai extrêmement faim. Genre j'ai mal au ventre tellement j'ai faim. Je sais pas si ça vous arrive mais... C'est pas bon ça, enfin. Tu vas caler vite ça veut dire. Ah ouais? Ah tu vas caler archi vite. Pourquoi? Quand t'as mal au ventre et que t'as faim, bah normalement tu vas taper 2-3 crocs et tu vas déjà tu vas sentir que tu vas être rassasié tu vois. Ah, mais il essaye de m'amadou, il dit n'importe quoi, c'est un bâtard. Mais toi ça se fait pas parce que Doc il a déjà fait des défis comme ça. Genre il a fait un défi avec Valouz, manger ouais, mais 15... Mais McDo c'est horrible. Bah c'est pareil. Non, quand McDo je trouvais ça plus dur. Parce que déjà c'était du jambon, c'était pas du steak. Et que le pain était un peu toasté et tout, du coup ça calait plus. Enfin, je sais pas. Super, merci beaucoup. Ouais, ce sac, j'ai l'impression qu'on a 40 000 trucs, gros. Le sac il fait 3 fois ma taille. Elle a dit bon appétit, est-ce que c'est vrai? Vas-y, j'essaie de rouler sans la faire tomber. Vas-y. Franchement, je vois tout, je me dis, je vais les déglinguer. Eh hey mais gros, je viens chez toi, je dis vas-y on va tourner des vidéos et tout et toi tu viens là tu... Bah ouais mais pour si, défoncer fais, mon mais, matos fais, et... Ok vas-y t'es un mec comme ça. Non mais vas-y c'est chiant tout le temps on s'engueule comme ça pour rien, tu casses les couilles mais tu cherches toujours la merde. T'es marre déjà de faire des vidéos de merde mais comme ça. Mais je rigolais frère, t'es mon ref. Non moi je rigole pas avec toi moi. Bah là tu rigoles là. Bah oui là je rigole en fait. Les gars on va appeler... Ah merde j'ai plus son numéro. Au pire appelle. J'avoue. Appelle Valouz. J'appelle Valouz. Les petits potes on va appeler Valouz. On va voir c'est quoi ses pronostics. Allô. Ouais allô Valouz. Ouais je suis Mich. Ça va et toi? Ouais je t'appelle avec l'hôtel de Doc. Gros on est en train de faire une vidéo. En gros on va manger le plus de cheeseburger. Ouais. Et c'est un concours tu vois c'est entre moi et Doc qui de nous deux sera capable d'en manger le plus. Et on voulait savoir tes pronostics selon toi qui va gagner et combien tu penses on va en manger. Toi je pense que t'es un gros mangeur et tu manges vraiment pas vite. Ouais c'est ce qu'on dit. Ouais. Alors que Doc, c'est peut-être l'inverse, il mange un peu plus vite, mais c'est pas un très gros mangeur. Mais je pense que Doc a plus d'expérience. Ah ouais, allez. J'avoue, Doc, il a fait les vidéos Croque McDo et tout, il est chaud. Voilà, c'est ça. Après, toi, j'avoue, je sais pas réellement si tu manges beaucoup. En vrai, ça dépend des fois. Des fois, vraiment, je vais manger une salade, des fois, je vais bouffer un burger avec 4 steaks. Et genre là, t'as faim? Là, j'ai vraiment faim là. Vas-y, vous
faire match nul. Match nul. Match nul. Impossible. Match nul. Si je vois qu'on a égalité, je vais en manger un de plus gros. La même. Bah la même. Je vais vomir à deux. Ok. Et du coup, à combien t'as dit? Combien de cheese? Je dirais 8. Match nul à 8 cheese. Ok. Ouais. Vas-y, amusez-vous bien les potes. Si, merde. Ah ouais, donc il pense qu'on va faire égalité lui, ouais. Mais c'est impossible. Mec, on va jamais y arriver. T'imagines, on tape les 10 et on se tape un aller-retour au Doma. Qu'est-ce qu'on a encore? Non, impossible. On n'a pas réussi à se départager. Les 10, tu vois. Impossible. Mais si jamais on mange les 10, qu'on n'a pas réussi à se départager, on le fait sur place au Doma. On y va, on se met à table et on en commande un par un, tu vois. Ah genre, ouais, un par un. Encore un, s'il vous plaît. Encore un, encore un. Les gars, on va chez Doc pour déguster tout ça et du coup, on se retrouve tout de suite. Doc, c'est le seul mec avant de rentrer chez lui, il sonne. Wouh ! Ok, les gars, on a le gros sac. On a deux petits sacs comme ça, remplis de cheese. Là, ça va grailler. Là, ça va déguster, là. Attends, compte si t'as bien de cheese. Ouais, on va les compter. Hein. Un cheese, deux cheese, trois cheese. Ouais, j'avoue, déjà, quand on les empile, tu te dis 10 cheese, c'est énorme. 4 cheese. 5 cheese. Ah ouais, donc il y en a 10 par sac. Bah c'est parfait, gros. Why? On n'arrivera jamais. Ok, attends, j'ai pas ma paille. De toute façon, c'est pas un concours de rapidité, on verra. Non, mais moi j'ai tu commences là. Quand tu veux, hein. J'ai envie de chine avec toi, tu vois. J'ai envie qu'on prenne un cheese. Bon, bah les gars. Du coup, d'habitude, on chine. Est-ce que là, on peut dire qu'on tease? Franchement, validé. C'est bien. À la tienne, mon pote. Bon, ok, les gars, c'est parti. Let's go, les gars. Ça commence officiellement. Ok, les gars, c'est parti. Je viens d'appeler mon premier gros. Et le bouffin. Mais je me laisse ça, tu le pain il va être chiant gros. Tu penses que si je bois un peu d'acide ou de vinaigre, ça va le dissoudre plus vite ou pas? J'ai fait la moitié là, je me dis franchement si j'en fais 6 c'est bien. T'es chaud déjà? Ah ouais vraiment. Parce qu'en fait c'est plus dur que ce que je pensais. Donc ça va être toujours la même chose. Pour l'instant c'est agréable à manger en fait. Mais au bout du quatrième on va être en mode vas-y ça me casse les couilles. J'avoue la preuve que je mange pas vite. Il a déjà fini son premier, je suis à la moitié. Non j'ai tapé des petits coups. 300 calories par cheeseburger. Ah ouais j'avoue. On mange les 10, c'est 3000 calories. 3000 calories, c'est ce qu'il faut dans une journée normalement. C'est un bon gros apport d'une journée. Normalement c'est 2000. 2000 dans une journée normalement. Ah ouais donc 3000 c'est abusé. Ouais. Après 3000 c'est les 10. Je sais pas comment ils font les mecs. Parce qu'il y a des vidéos, c'est les concours de rapidité. Là ça a rien à voir, tu vois là. C'est des concours de rapidité, les mecs ils mangent les cheese deux mais bouchées. En deux bouchées gros. Le troisième pour moi. Non mais voilà les gars, on peut se permettre de manger autant de cheese. On va pas forcément grossir parce que hier on s'est dépensé. On a fait du foot pendant 5 minutes. On a fait du vélo pendant une demi-heure. On a fait du vélo pendant une heure les gars, on a fait le tour de Rennes à vélo. Donc il était KO. Moi faut savoir que je kiffe le vélo. Le vélo je peux en faire toute la journée, ça me va. Je lui ai dit bien Mich, on prend des vélos, on va faire du vélo. J'ai vu ses yeux, ils sont ouverts, des étoiles dedans. Vélo. Vélo. Ok j'ai fini le deuxième, on attaque le troisième. T'attaques le quatrième là, ouais. Aïe aïe aïe. Putain là je me dis on est pareil sauf que Doc il en a bouffé un de plus. C'est mon troisième ça? Mais je pensais j'étais au quatrième. Après celui-là j'en ai mangé que 3. Non impossible. Oh, apparemment. Mais what? Mais attends mais frérot je vais jamais y arriver. C'est trop dur 6. Je suis au troisième, je commence à être bien là. Hein. Là je suis vraiment bien. Doc l'action il est pas bien. Il commence à pas. Il fait genre mais il en mange encore un, c'est bon, il est fini. Je suis moyen là. Moi du coup je peux limiter prendre une petite pause pour attendre en fait. J'avoue, t'as un avantage. Faut que je rote. Je l'ai choqué. C'est bon, on est reparti, je peux en manger 3 là. C'est bon, je suis bien. Ah, là il peut en manger un. C'est bon. Le cinquième il commence à me le mettre là. Ah ouais, cinquième tu commences à plus être bien là. Bah t'as de la chance parce que j'en suis qu'au quatrième. 4 cheese, je viens de finir mon quatrième. Je te rattrape là. Il commence à avoir du mal. Ok. Ouh. Je t'attends pour la suite hein. Vas-y j'arrive. Je te sens un chi serein, ça me met pas bien. Ah ouais? En train de me bouffer au mental là. Je cherche un verre d'eau. Ok, terminé. Mon cinquième. On a égalité avec Doc, on va reprendre le sixième en même temps. Il est parti chercher de l'eau histoire que. Voilà, histoire que ça passe tranquillement. Allez, c'est parti. Bon courage mon Ray. Fini. Là j'ai fini mon sixième. Ah ouais, là ça commence à être beaucoup là. Ouh. Allez on attaque le septième. J'en ai quasiment mis un d'avance là Doc. Hein. Alors t'en avais un de retard. Doc il est en train de finir son sixième, j'ai en train de terminer mon septième. Hein. Tu viens d'en finir, là tu viens de finir ton sixième. C'est mon septième. Quel bâtard. Le septième il est validé pour moi. Ouh. On passe aux choses sérieuses. Le huitième, il est que pour toi, Balouz. Parce que là, je sais que j'ai gagné. Je sais que le septième, je sais pas s'il terminera. Il y a moyen qu'il termine, mais le huitième, il terminera pas. Donc, Balouz, il est pour toi, celui-là. Allez.
Va falloir commencer le 7ème là, Doc, hein. Doc, il est en train de regarder les cheese qui sont devant lui, il se dit. Oh non. Je fais une baston de regard avec lui. Ah ouais, grave. Ce croc là, là, il est pour mettre le seum à Doc. Vas-y, gros. En vrai, je sais que tu pourrais manger le 7ème, mais le 8ème, je pourrais pas. Le 8ème, tu pourras pas. Le 7ème, en vrai, je peux le taper. Ça va être très dur. Je vais prendre longtemps, mais je peux le taper. Vas-y, fais-le. Ça sert à rien, je vais me faire mal. Alors, j'en ai 8 à taper. Donc, encore un après celui-là. Fais ton max, gros. Tu dois montrer de quoi t'es capable. À la France entière. Ce croc-là, il est pour la France entière. 8ème terminé, 8ème validé. Est-ce que j'attaque un 9ème? Je t'avoue que c'est compliqué. En plus, là, il y a vraiment plus de compétition parce que Doc il est hors course là. Le mec, ça fait 10 minutes, il est devant ses burgers. Il est en mode, est-ce que je fais 7ème? Je pense que là, si je tape 7 et si je tape le 8, il va taper un 9, c'est enculé, c'est sûr. Si tu tapes le 8, je tape un 9. C'est direct. Sûr, certain. Allez, tu l'as touché, c'est tu le finis. C'est la règle. Oh là là, Doc qui attaque le 7ème. Je pense que je peux m'arrêter à 8. Mais en vrai, mec, on est là pour repousser une limite. Clairement. C'est pour soutenir Doc. J'ai fait la moitié. Allez putain frère, il reste ça, il reste tellement rien gros. Mec, j'ai jamais autant galéré à manger hein. De fait, il fait quoi le mec sur le toit là-bas? Alors qu'il pleut. En plus je regardais s'il y avait vraiment un mec. Bien joué. Bon les gars, dernier croc du 9ème. J'ai fini mon 9ème gros, là c'est bon. Je vous le dis tout de suite, j'arrête là, impossible, 10ème impossible. Ah, là je me sens bien, je me dis putain j'ai fini. Tu m'as fumé Max. La fin je t'ai fumé gros. Oh là là, Doc il termine le 7ème, là il est bien parce qu'il se dit ça y est j'ai fini. Je vais pas me forcer à prendre le 8ème, c'est bon je suis bien. Wow. On arrête sur ça. Bravo Michou, le plus gros mangeur est donc Michou. On est sur une victoire, enfin le plus gros mangeur d'entre nous deux. Parce qu'après, ouais. Tu vois Valou c'est le boss. Bon bah les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Assez spéciale parce que j'ai pas l'habitude de faire ça sur ma chaîne. Sur ma chaîne secondaire encore ça aurait pu passer. Mais sur cette chaîne j'avoue c'est spécial. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Au moins pour nous soutenir, ouais. Se dire on n'a pas fait ça pour rien, voilà. Que vous avez kiffé la vidéo les gars. Et du coup tant qu'on y est, bah dites nous dans les commentaires si vous avez kiffé. Répondez pour le Ah ouais. Non les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je compte sur vous, abonnez-vous parce que je sais que vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo sans être abonné. Donc abonnez-vous les gars, c'est le moment. De pouce bleu. On fait péter cette vidéo, on veut l'avoir en tendance les gars. Et abonnez-vous aussi à Doc Jay-Z. Bisous les gars.